the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who's this caballero? The Emperor of the Far West, when he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Allez, Karl. Yaha, yaha. Salut et fraternité, compagnon garçon vaché. Oh non, encore lui. Construisons ensemble un monde nouveau, compagnon. Tu sais lire, toi, Pete? Ouais. Bah, quand c'est écrit très gros. Tiens, lis ça, c'est gros. Ah, la propriété. C'est le vol. La propriété, c'est le vol. Oh, eh ben, quand Monsieur Glutton va voir ça. Fraternité, compagnon. M'offrirais-tu un verre d'eau, tavernier? Ici, on n'offre pas, on vend. Ah, j'oubliais, tu fais partie de ces vampires qui boivent la sueur du travailleur. Je bois que du lait. Alors comme ça, je suis un voleur. Et comment le serais-je, gros ami? Je ne te connais pas. Un peu de respect, Avorton. Tu parles à Monsieur Glutton, le plus gros éleveur de la région. Tous les propriétaires sont des voleurs. Si tu continues à m'insulter, et si tu distribues une fois de plus tes fichus prospectus à mes cow-boys... Tous les propriétaires sont des vers répugnants qui rongent le cadavre purulent d'une société fétide. T'as la langue bien pendue, Nabo. Je crois que je vais pendre le reste. À la chasse! Ça faisait longtemps! Au moins 2 jours! Youhou! On m'avait bien dit que les gens de cette région manquaient de jugement. Te mêle pas de ça, étranger. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de défendre les petits contre les gros. Le cimetière est plein de types dans ton genre qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas. Cow-boy, j'ai pas l'habitude de baisser mon pantalon sans réagir. Mon nom est Zakuski, Illich Zakuski. Je te remercie, compagnon. Embrassons-nous. Hop, hop, hop. Moi, c'est Luc. Lucky Luke. Ah, très ravi, compagnon. Votre verre d'eau. Vous voulez un peu de sirop d'orgeat avec? Compagnon, attends, j'ai besoin d'hommes trempés dans l'acier sublime du courage pour bâtir un monde meilleur. Ce sera pour une autre fois, l'ami. J'ai 4 évadés à ramener au pénitencier. Ah, je vois. Tu es défenseur de cette société marquée des stigmates de l'infamie. À chacun son travail, l'ami. Toi, tu construis un monde meilleur, moi, j'empêche celui-ci de devenir pire. Enfin, si tu changes d'avis, compagnon, viens me retrouver. Tu vois ces collines là-bas? C'est là que j'entretiens la torche flambante qui jettera sur les sombres ténèbres sociales la lumière phosphorescente d'une vie nouvelle. Fredonia! Allez, Karl! Yo, yo! Je vais finir par croire que tous les fous de la planète se sont donné rendez-vous dans l'Ouest. Allez, Jolly Jumper, ne faisons pas attendre les Dalton. Yo-ho, yo-ho! C'est cette nuit que ça s'est passé. Oui, mon gars. On m'a volé un cheval et 4 paires d'éperons, mon gars. Tu comprends ça, mon gars? 4 paires d'éperons pour un seul cheval? Ouais. On s'est mis en quatre pour me faire croire qu'on ne l'était pas. Pourquoi on a volé qu'un seul cheval, Joe? C'est pour brouiller les pistes, Jack. Voler 4 chevaux, c'est mettre Lucky Luke sur nos traces. Ouais, mais c'est pas sûr que le cheval tienne longtemps avec nous 4 dessus. Tant mieux. S'il ne tient pas, on le mangera. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Joe. Tu te fais du mal. On va se planquer ici. Y a quelqu'un, Joe? Bien, il va avoir la peur de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Main en l'air! Embrassons-nous, compagnons! Embrassons-nous, ô vous qui portez l'uniforme glorieux de la répression scélérate. Mouah! Ensemble, tirons un trait sur la sadique et libidineuse société. Et toi, tu sembles ignorer qui nous sommes. Nous sommes les Dalton! D'habitude, tout le monde tremble en nous voyant. Pour moi, vous êtes les innocentes victimes d'un système unique qui, dans sa bestiale perversité, a poussé l'avilissement de l'homme jusqu'à son paroxysme. Oh, laissez-moi vous montrer quelque chose, compagnon. Voici Fredonia, compagnon. La cité du bonheur qui s'élèvera ici même, dans cette vallée. Une chance nouvelle pour l'humanité. C'est un dingue, Joe. On lui pique son mulet et on se tire. Non! Ici, c'est l'endroit idéal pour se la couler douce quelque temps. Entrons dans son jeu. Compagnon, voulez-vous m'aider à bâtir un monde meilleur? C'est entendu, compagnon. Moi et mes frères t'aiderons à construire ton monde meilleur. Bah, vous êtes les premiers, compagnons, c'est magnifique. Commencez tout de suite. Il faut pouvoir accueillir le flot exubérant des millions de nouveaux, hardis compagnons qui ne tarderont pas à nous rejoindre lorsqu'ils auront lu l'appel que je vais rédiger. Oh, embrassons-nous, frères. Oh, c'est pas trop tôt. Plus question de déculottage désormais. Monsieur Glutton! Monsieur Glutton! Qu'est-ce qu'il y a? Le Naboo, il a recommencé. Viens, compagnon, rejoins Fredonia. Viens bâtir un monde sans affameur, sans profiteur, sans propriétaire. Ils veulent la guerre, ils veulent l'avoir. Un cheval très chargé qui part au galop, brusquement allégé. 4 paires de bottes qui continuent à pied. Mon orteil gauche me lance. Les Dalton ne doivent pas être loin. Si c'est pour nous la couler douce comme ça, on aurait pu rester au pénitencier. La ferme à Brel. L'intérêt, c'est que Lucky Luke ne nous trouvera jamais ici. Compagnons, une nouvelle qui va vous transporter de joie. Nous avons un nouveau compagnon. Salut et fraternité, compagnon. À quoi ça sert? Depuis le temps, vous devriez savoir qu'il est plus rapide. Allez, direction le pénitencier. La promenade est finie. Non, compagnon, tu peux pas faire ça. Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ah, mon Fredonia, compagnon, il n'y a pas de hors-la-loi, car il n'y a pas de loi, excepté une seule. La loi de l'hospitalité. C'est une excellente loi. Je m'en voudrais de l'enfreindre. Tant que ces 4 compagnons sont dans la République libre de Fredonia, nul ne peut rien contre eux. Entendu, l'ami. Je n'enfreindrai pas l'unique loi de Fredonia. Tu ne nous arrêtes plus? Non, je ne tiens pas à devenir un hors-la-loi. J'attendrai que vous quittiez Fredonia pour vous interpeller en territoire américain. Compagnon, non! Au secours, aidez-moi! Quelle haine magnifique! Comme tu as dû souffrir, compagnon. Tu vas devoir attendre longtemps, cow-boy, car nous avons l'intention de rester ici pour construire un monde meilleur. Oh, alors je reste. Je ne veux manquer ça pour rien au monde. Qu'as-tu fait de ces monstrueuses machines à tuer, compagnon? Ouais, où t'as mis nos revolvers? Là où ils sont, vous ne risquez pas de les trouver. De toute façon, j'ai enlevé les balles. Il reste de la soupe! Merci pour ta soupe, l'ami. Je vais me coucher. Ah, il n'y a qu'un seul lit, compagnon, hein? Alors, je propose que nous y dormions à tour de rôle. Car en Fredonia, l'on partage tout. Il y a des arts... Merci. Merci, mais la belle étoile est ma couverture préférée. On dirait que la grande perche est là aussi. Bingo va faire d'une vache deux veaux. On va ramper jusqu'à la cabane et les surprendre dans leur sommeil. Oh oh. Vous êtes sûr qu'il dort? Compagnon? Ça en a tout l'air. Compagnon! Afrail, arrête avec ça! On le descend et on se tire. Ça se complique. Ça va être un jeu d'enfant. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Le jeu d'enfant, vous disiez, patron? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des coyotes qui rôdaient. À propos de coyotes, vous aviez l'intention de travailler en pleine nuit? Oui, bon, on n'avait pas sommeil, alors... N'en dis pas plus, compagnon. Et moi qui dormais comme un cochon des bourgeois. Pardon, compagnon, j'ai dit pardon. À partir de maintenant, nous travaillerons jour et nuit, jusqu'à ce que Fredonia illumine les ténèbres, tel l'astre phosphorescent d'une vie nouvelle. Compagnon, je vous promets qu'un jour, dans notre cité du bonheur, il y aura une avenue Joe, William, Jack et Avarel Dalton. Une avenue à notre nom? C'est maman qui va être contente. Tu vois, compagnon, même les pires d'entre nous ont au fond de leur cœur l'étincelle héroïque et vertueuse de la rédemption sociale. Si ça continue comme ça, il va bientôt pouvoir ouvrir une armurerie. Merci, vieux frère, mais je ne dormais que d'un œil, tu sais. Ouais, ça c'est ce qu'on dit après. Allez, bonne nuit les Dalton. Et n'oubliez pas que j'ai un bon cheval de garde. À la première occasion, on le descend et on se tire. Non, moi je reste. Je veux construire un monde meilleur. Je veux avoir une avenue à mon nom. C'est pas une avenue que tu vas voir à ton nom. C'est une tombe. Quel jour. C'est profond, patron. C'est que ça a de grandes dents à cheval. Œil pour œil, grande dent pour grande dent. Il va y avoir de la représailles, je vous le dis. Aïe. Où vas-tu, l'ami? Prévenir tous les opprimés et tous les damnés de la terre qu'il existe dans cette vallée un phare d'espérance pour l'humanité avilie. Ce n'est pas très prudent. Les coyotes de cette nuit n'en resteront pas là. Crois-tu que je craigne pour ma vie, compagnon? Un instant, compagnon. Notre compagnon a raison, ta vie est trop précieuse. Envoyons plutôt quelqu'un sans importance prévenir les opprimés et les damnés de la terre. Avril! Tu sais ce qu'il dit, le quelqu'un sans importance? Ferme-la! On ne me dit pas que tu te méfies d'Avrel, mais tu sais qu'il est plus bête que méchant. Si je suis plus bête que méchant, t'as qu'à y aller, toi, prévenir les imprimés. Tu vas y aller un peu, c'est tout. Dire qu'il y en a qui rêvent d'une famille nombreuse, Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les hommes de Glutton ne s'en prendront pas à un Dalton. Ah, tu vois? Mais attention, ne comptez pas sur Avrel pour vous procurer des armes. Ouais, ne comptez pas sur moi. Voyons, Luc, nous construisons un monde meilleur, dans lequel les sceptiques dans ton genre n'auront pas leur place. Bien dit. Rengaine donc cet engin de mort. Tuez la violence qui engendre la violence. C'est bien vrai. En Fredonia, nous sommes tous de bonne volonté. Ce que j'en dis, moi... Tiens, frère, va répandre le fumier du monde meilleur sur la population. Et trouve-nous des chevaux et des armes. Ah bon? Mais je croyais qu'il fallait pas compter sur moi. Tais-toi et fais ce que je te dis, imbécile! Et avec une autre paire de bretelles. Ou disparaître. Taisez-vous, imbécile, je pense. Ça y est, j'ai l'idée, c'est évident. Oh! Bravo, patron, ça c'est mieux qu'une armure. Un déculottable! Et essayant en plus! C'est tout simple, mais il fallait y penser. Oh! Dalton! Non, non, reprenez vos affaires. J'ai seulement besoin de chevaux. Tout de suite, je Dalton. Ah oui, et des armes aussi. Et puis, nous bâtissons un monde meilleur, compagnons. Si vous voulez une avenue à votre nom, rejoignez-nous. Oui, monsieur Dalton. Qu'est-ce que vous voudrez, monsieur Dalton? Quel succès. J'en connais un autre qui va être content. C'est quoi votre plan, patron? Mon plan? On tire sur tout ce qui bouge. Hey Joe, voilà Avrel. Hey, compagnons, je ramène plein de nouveaux compagnons. Je lui demande des chevaux. Il me ramène la diligence et les passagers avec. Avec Avrel, il faut toujours préciser. De nouveaux compagnons, c'est merveilleux. Oh, embrassons-nous, compagnons. Minute, cette fois, moi en premier. Un instant. On voit bien que ces gens-là ne sont pas ici de leur plein gré. Ils sont morts de peur. Non, nous ne sommes pas morts de peur. Nous sommes bien vivants. Et nous sommes ici de notre plein gré. Oui, de notre plein gré. Quel enthousiasme. Alors, monsieur le sceptique. Bon, on pique la diligence et on se tire. J'ai pas distribué tous mes tracts, Joe. Ce n'est pas des tracts que je vais distribuer, imbécile. Vous pouvez baisser les bras, compagnon. Ah non, on aime bien. Oh, c'est plus reposant. Il y a vraiment de quoi baisser les bras. Yippee, allez, Désolé, cowboy. Je n'ai pas eu le temps de mettre ta selle. Mais Joe, il y a des armes à l'intérieur. Hein? Jolly, stop! Enfin, compagnon, vous ne pourrez jamais construire un monde meilleur avec les bras levés. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. Oh! À couvert, vite! Fermez pas! Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Servez-vous de vos armes, imbécile! Non! Sur Lucky Luke! Luc a raison! On fait pas le poids! Inutile de s'inquiéter, il s'en sort toujours. La vengeance est un plat qui se mange plombé! Je vous en prie! Faites-moi sortir les femmes! N'oubliez pas les enfants! Vous voyez des enfants, vous? Moi, j'ai toujours été un grand enfant! Bah, où sont les autres? Je crois qu'ils ont trop eu peur, patron. Surtout quand ils ont commencé à perdre leurs pantalons. Les lâches, ils ont fui. Tu parles d'une bande. Hé, cessez le feu. Il y a ici les passagers d'une diligence qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Laissez-les sortir. Et le cocher, faudrait pas oublier le cocher. Entendu, ils peuvent sortir. Compagnons, compagnons, pensez à l'immense service que vous rendriez à notre cause si vous mouriez tous en martyr. J'ai jamais eu une âme de martyr, moi. J'aimerais bien savoir comment tu vas nous sortir de là, Lucky Luke. Par la porte, Joe. Je fais sortir les Dalton aussi. Les Dalton? Et alors? La grande perche, ça doit être Lucky Luke. Je me disais bien que j'avais vu cette tête de bagnard quelque part. Qu'est-ce que vous faites? On est payé pour s'occuper de vos vaches, monsieur Glutton. Mais si c'est pour se faire trouer la peau, faut qu'on renégocie le taux horaire. À vos postes immédiatement, reprenez le tir. Vous êtes virés! Vous entendez? Virés! Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, compagnons! Les forces réactionnaires sont en déroute. Nous allons pouvoir reprendre immédiatement la construction de notre monde meilleur. Mais ferme-la un peu! Tu comprends pas? Ton monde meilleur, ben on s'en balance! Un monde où il n'y a pas de riches à voler, pas de pognon à braquer, et ben on n'en veut pas! Là! Ah. Bon, on rentre au pénitencier. En se pressant un peu, on y sera pour l'heure de la soupe. Salut et fraternité, l'ami. Adieu, compagnon. Garde la tête froide et ne te laisse pas récupérer par les systèmes. J'essaierai, l'ami. Ça veut dire qu'on n'aura pas une avenue à notre nom? Tais-toi, Avril. Bon, compagnons, nous allons commencer par une occupation du ranch de cet infâme exploiteur. Et ce n'est qu'un début. I'm a bold, lonesome cowboy. Je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Wachtatoo, la tribu de Bison mal embouché? C'est bien ce qui me préoccupe. Des rumeurs font état de tensions dans la région et McAllister n'est pas, disons, le plus diplomate de nos commandants. Si d'aventure vous passez dans la région, pourriez-vous... Mon nom est Lucky Luke. Je veux parler au commandant McAllister. Excusez-le, en ce moment, on est un peu sur les dents. Oh, je crains que vous ne vous soyez déplacé pour rien, Luke. Le secteur n'a jamais été aussi paisible. J'ai pourtant aperçu quelques flèches et des traces d'incendie. Oui, les flèches, eh bien, c'est, disons, elles datent des dernières batailles qui opposaient jadis ton peuple. J'ai tenu à les conserver afin que nul n'oublie combien la paix est précieuse. Chef! Ah! Quoi? C'est ma mère! On ne les tient plus à cet âge-là! Schmiss! Cessez cette corrida! Soyez raisonnable, Madame McAllister. Ah 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 ah. Est-ce que je me baigne dans sa tisane, moi? Maman! Vous attaquez à une vieille dame sans défense? Mais vous n'avez pas honte! Rentrons, tu vas prendre froid. Non, je veux sortir de cette prison. Ah, si ton père était encore là, il te donnerait une bonne correction. Ton derrière rougirait, crois-moi. 4 jours. 4 jours d'arrêt dans ta chambre. Pourquoi ne pas la laisser sortir, McAllister? Vous disiez vous-même que le secteur n'avait jamais été aussi tranquille. Vous! Occupez-vous de votre cadasson! Smith, raccompagnez le jeune homme à la sortie! Par ici, monsieur. Canasson? C'est la première fois qu'on me traite de canasson. Et si vous alliez faire un tour chez les Wachtatoo, vous comprendriez. Pour un territoire en paix, on semble bien méfiant ici. Qui es-tu? Que veux-tu? Mon nom est Lucky Luke. Un grand chef blanc m'envoie, grand chef. Il craint qu'une nouvelle guerre t'oppose à ses soldats. Dis à ton grand chef blanc que Bison mal embouché est aussi pacifiste que l'ours qui hiberne au fond de la caverne. Grand chef, grand chef. Hé! Encore! Si Bison Grisonnant continue à faire le papouze, Bison mal embouché va enfermer Bison Grisonnant! Bison Grisonnant est le papa de Bison mal embouché. Décidément. Bison Grisonnant étouffe dans son tipi et il en a plein les mocassins de son fiston morveux! Bison mal embouché ne sait plus quoi faire avec son ancêtre tête de lard. Tu es encore là? Pars, sinon Bison mal embouché va s'énerver. Et quand Bison mal embouché s'énerve... Je ne voudrais pas troubler une aussi belle harmonie familiale. Manifestement, on nous cache quelque chose. Quelle perspicacité, ce cow-boy! Bison Grisonnant ne doit surtout pas aller là où vous savez. Bison Grisonnant a besoin d'un bon cheval pour galoper vers le bonheur. Allons-y, mon brave destrier. Soldats nombreux pour protéger Dulcinée. Mais Bison Grisonnant est encore agile. Il est de bon reste. Soldat mal rasé et piqué beaucoup. Bouhou! Bison, tu m'entends? Bouhou! Bison, je suis là. Bouhou! Bison, mais je suis là. Juliette jolie, mais ses oreilles sont paresseuses comme l'opossum. C'est donc ça, une romance indienne. Mon bison. Juliette, belle comme jument sauvage galopant dans prairie. Je ne dérange pas, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit, à cette heure-ci. Je ne veux pas que tu vois cet Indien. Je le verrai si je veux. On va même se marier, si tu veux le savoir. Vous marier? Mais tu n'y penses pas? Si. Tu ferais bien d'en faire autant. Ça me ferait des vacances. Les yeux de Juliette enflamment le cœur de Bison Grisonnant. Ce n'est pas ton cœur que je vais enflammer, c'est ton campement, indien de malheur. Mon bison. L'amour donne des ailes à Bison Grisonnant. Oh, la peau de Juliette est douce comme le pelage de la loutre. McAllister, prépare-toi à mourir. Toi, viens ici. On s'expliquera au tipi. Si je le revois rôder auprès de ma mère, je lui coupe les plumes. Bison mal embouché prévient McAllister. Si Squaw approche encore son ancêtre, Bison mal embouché mettra le fort en copeaux. Ils sont complètement fous. Mon commandant! Le dispositif de sécurité est en place, mon commandant. Une mouche ne passerait pas. Parfait. J'ai enfermé ma mère au gnouf. Dans sa chambre, je veux dire. Grand chef, le campement est fermé comme la carapace de la tortue, grand chef. Bien. L'ancêtre est consigné au tipi. Bison mal embouché peut aller faire une petite sieste. Pile, on s'en va. Face, on reste. On reste. Les deux tourterons ont besoin de nous. Ils jouent les indifférents, mais c'est insensible finalement. La porte. Ah! Je dois sauver le soldat Ryan. Le soldat Ryan? Comme dit le commandant, comprendre c'est commencer à désobéir. Maman. Ah! Elle a encore mis les bouts! Je t'enlève mon bison. Je connais un endroit où l'on pourrait se marier à moins d'une heure. Un cheval! Un cheval! Mon tipi pour un cheval! Eh? Tiens, tiens, Juliette a retrouvé son Roméo. Eh? Je vais en faire du carpaccio de ton bison de père. Je donnerai ta mère aux fourmis rouges. Elles adorent la viande pesantée. Hop hop. Laissez-moi faire. Mets les routes qui vous regardent, Luc. Si vous le prenez comme ça... Nous sommes libres, mon bison. Enfin, presque. Tiens, prends les rênes. Madame Alistair, je suis là pour vous aider. Vous êtes comme les autres. Vous ne supportez pas qu'un peau-rouge épouse une femme blanche. Jolly, il faut retrouver les amoureux avant les deux excités. Nos frères de la plaine nous aideront à retrouver la femme blanche. En attendant la réponse, je vais faire une petite sieste. Bison Grisonnant en fuite avec femme blanche très dangereuse. Stop. Les intercepter au plus vite. Stop. Merci à vous, frères de la plaine. Stop. Signé, Bison mal embouché. J'ignorais que vous lisiez les signaux de fumée, Smith. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Grand chef, nous avons reçu une réponse par retour de fumée. Grand chef. Hein? Ils les ont retrouvés? Non. Ils disent que nous devons laver nos tuniques sales en famille, au grand chef. La solidarité indienne n'est plus ce qu'elle était. Ça nous donne une bonne longueur d'avance, Smith. Je te sens cocasse sous ton scalp en bison. Grâce à Juliette, le Bison Grisonnant a retrouvé ses 75 ans. Bison Grisonnant a rejoint le monde des esprits sans son scalp pour queue de putois. Que le grand chef se rassure, les esprits n'attrapent pas froid. Cette fois, c'est la guerre. Luc, j'ai une faveur à vous demander. Juliette McAllister, acceptez-vous de prendre pour époux Bison Grisonnant ici présent? Oui. Bison Grisonnant, acceptez-vous de prendre pour épouse Juliette McAllister ici présente? Oui. Bison Grisonnant veut marier Belle Loutre Radieuse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Que le témoin signe les registres. Ouais. Pour 2 $ de plus, je vous fais faire tour de la ville en voiture. Non merci, une autre fois. Certainement. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez à la fois croque-mort et marieur? J'aime la pompe, la funèbre comme la grande. Édition spéciale, déclaration de guerre dans la réserve de Wachtatoo. Le célèbre bison mal embouché en guerre contre Fort Greenwood. Édition spéciale. Vos enfants vous croient morts. Tant mieux. Comme ça, ils nous ficheront la paix. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, c'est la guerre. Ici, c'est l'amour. Et rien d'autre ne compte, c'est ça? Tout juste. Votre lune de miel risque de tourner au vinaigre. Comment ça? Réfléchissez, si vos peuples sont en guerre, votre couple devient impossible. Impossible de dîner à la même table, de voyager dans le même wagon, de partager le même hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? On va leur faire passer l'envie de nous pourrir notre lune de miel à ces garnements. Nous attaquerons demain. En attendant, allons dormir. Le combat sera épuisant. Tout papouze, déjà, Fiston voulait toujours se battre. Et lui, têtu comme un troupeau de mules. Il est peut-être têtu, mais nous, nous sommes rusés. Voilà ce que nous allons faire. C'était un jeu d'enfant, Luc. Ils dorment à poings fermés. J'ai retrouvé mon scalp moumoute. Nous n'avons plus aucune munition, mon commandant. Nous combattrons quand même. À vos armes! Je ne comprends pas, j'ai fait sauter tout le stock de munitions. Et nous, on a volé les chevaux, les armes et les vêtements. Les voilà, mon commandant. On se battra sans chevaux, sans armes et sans pantalons s'il le faut. Mais on se battra. Préparez-vous à faire feu. Feu! Soldats ont tiré au flanc pendant le feu. Ben quoi, je suis mort. Si on n'intervient pas, on est là jusqu'à Noël. Vous allez cesser ce jeu idiot et vous réconcilier immédiatement. Vous êtes beaux frères à présent. Nous sommes mariés. Mon peuple ne reconnaît pas le mariage blanc. Je suis prête à épouser vos traditions. Si le fiston fait encore sa tête de lard, Bison Grisonnant dira à tout le monde que le petit ruisseau de la nuit a longtemps mouillé le panier du grand chef jusqu'à l'âge de... Mais mon noble père n'oserait pas remettre en cause l'autorité de la chair de sa chair. J'ai moi aussi quelques anecdotes qui risquent de faire prendre un sacré coup à ton autorité. Si on parlait du doudou à Popo... Ah, cette tradition est imbécile. Le mariage est une loterie. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Il est à moi! Il est à moi! Il est à moi! Il est à moi! Maintenant que nous sommes frères, nous pouvons échanger notre sang. Après vous... Décidément, les tuniques bleues ne supportent pas le rouge. À vous, Luc. Vous méritez aussi d'être le frère de Bison mal embouché. Luc? 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 I'm a poor lonesome cowboy. papy, la guerre est finie, l'esclavage a été aboli. Hein? Quoi? Que dis-tu? Je suis pas voleur, je suis éleveur. T'as une bien belle vache, mon garçon. Joséphine est à moi, j'ai tous les papiers. Pendez-le! Ça lui apprendra à vivre! Papy! Tu n'as rien à craindre, mon garçon. À Lick Gulch, nous sommes respectueux des lois. Qu'est-ce qu'il a dit? À propos de loi, nous avons un règlement qui interdit le stationnement du bétail sur la voie publique. Je vais être forcé de te dresser une amende de 5 000 $. 5 000 $? Gulch a déclaré que suite aux voies de fait et autres coups et blessures dont vous êtes rendu coupable, la sentence qui vous a été appliquée est somme toute clémente. Ah, elle est raide celle-là. Il me vole ma vache, me roue de coups, me couvre de goudron et de plumes, et je devrais la trouver clémente. Le shérif affirme aussi que votre vache n'a pas été volée, mais confisquée pour, je cite, non-paiement d'une amende et refus de rembourser une paire de bottes que votre animal a sauvagement attaqué. 5 000 $ d'amende, monsieur le gouverneur, plus 15 000 pour les bottes. Moi, j'appelle ça du vol. Je réclame justice et qu'on me rende ma vache. Monsieur Meredith, l'affaire est délicate. Mais je crois avoir l'homme de la situation. Je vous présente l'US Marshal Tchintin. Tel le palétuvier qui reçoit la pluie, mon cœur se gonfle de fierté à l'insigne mission qui m'est confiée. J'ai travaillé dur pour élever Joséphine, et c'est pas de gaieté de cœur que je la conduisais au marché d'Abilène, ça non. Vous savez, on s'attache à ces bêtes. Je compatis, honorable et vaillant éleveur. Moi-même, dans ma jeunesse, je me suis attaché à une fleur de lotus. L'équitation, c'est pas votre truc, hein? Je crois avoir fait d'appréciables progrès dans la noble pratique de l'art équestre. Je n'en dirai pas autant des armes à feu. Aïe! Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Je vous sens inquiet comme un grand résineux dans la tempête. Il ne faut pas. Je suis sûr que les habitants de cette charmante bourgade sont des gens raisonnables. Le noir, il est revenu avec un jaune. Hé, toi, on t'avait prévenu. Si tu remettais les pieds ici... L'étoile de la loi souveraine protège Monsieur Meredith comme le canard mandarin protège sa couvée. Pas, il a une étoile de marshal. Et alors? Moi aussi j'en ai une d'étoile. Bataille! Quand les blanchissent au goudron et aux plumes! Allez les gars, vous avez entendu le papy? Il semblerait que la première leçon n'ait pas suffi. Pour débattre, ne pensez-vous pas, honorable confrère? Dans la même famille, on trouve aussi le verbe abattre. Comme le canard mandarin protège sa couvée, hein? Ça, pouviez pas mieux dire, on ressemble à deux gros canetons. Le sage a dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en faire. Et vous comptez faire quoi maintenant pour qu'on me rende ma vache? Appeler la cavalerie? Prendre un adjoint, honorable éleveur. Un adjoint? Un seul adjoint? Oui, mais quel adjoint? Et garde la pause, cowboy. Licky, Licky! Mes joues sont pourpres de joie d'avoir si vite retrouvé mon inestimable ami. Tchintin, tu n'as pas changé? Tu t'es seulement un peu remplumé? Eh non, je n'ai pas changé. L'humour de Licky Licky est chaud à mes oreilles. Vous avez un cheval qui peint? Oui, il est nettement plus doué pour la peinture que pour la sculpture. Tu as déjà essayé de sculpter avec la bouche, cowboy. Je vous suggère de prendre un bon bain avant de me dire ce qui vous arrive. Pas question, je garde mon goudron et mes plumes. Comme ça, je suis prêt pour la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. On n'a plus une seule poule à plumer, pas. Pas de problème, fils. Fini les plumes, on va passer au plomb. Flinguez-les, qu'est-ce que vous attendez? Que l'enfer gèle! Je connais qu'un seul type capable d'une telle vitesse, pas Lucky Luke. Lucky Luke! Dites, vous savez où je pourrais prendre un bain? Maintenant que les esprits et les canons sont refroidis, honorable confrère, si nous entamions les pourparlers. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Joséphine. Ce que dit ce brave et méritoire éleveur est pareil à la pluie printanière qui fait pousser le bambou. Rendez-lui sa vache et tirons un trait sur cette regrettable affaire. Non, cette vache est propriété de la municipalité. Tant que cet individu n'aura pas acquitté les 5 000 $ d'amende et remboursé la paire de bottes endommagées, soit 15 000 $. Ça fait cher la botte. Des bottes en pécari qui m'ont été offertes par Lulu de la Nouvelle-Orléans. Et elle s'y connaissait en bottes. Vous êtes inique. Attention à ce que tu dis, mon gars, ou je te colle une amende de 10 000 $ pour insulte à l'autorité publique. Honorable collègue, vous êtes une malodorante crapule. Et c'est valable pour toi aussi, le chinois. Parce que je te signale qu'étoilé ou pas, t'es sous ma juridiction ici. Donc c'est 20 000 $ ou bien... on mange la vache. Non, cannibale! Je vais... demander la venue d'un juge fédéral à Lick Gulch. Un juge? Pourquoi faire? Pour qu'il juge de la validité de vos exigences, shérif. Une objection? Et je suppose qu'il n'y a aucune chambre de libre à Lick Gulch. Aucune, elles sont toutes réservées. Un congrès de trappeurs. Bien, nous nous installerons à l'entrée de la ville. Je n'ai pas vu un seul honorable trappeur dans la ville. Joséphine! Empêchez-les de manger, Joséphine! En attendant l'arrivée du juge, Joséphine est une pièce à conviction. Et le shérif sait qu'on ne mange pas les pièces à conviction. Joséphine... Le juge sera là dans 2 jours. Soyons vigilants, ils vont sûrement pas rester là. Nous aurons la vigilance de l'agneau au milieu des loups, Licky Licky. Je prends la première garde. Joséphine... compagnons, ils ne sont qu'une petite dizaine. Hey, allez régler vos histoires d'hommes ailleurs. Il y a des chevaux qui dorment ici. Je peux moi aussi? Ça me détendra. Je vous en prie, il y en a assez pour tout le monde. Des fouets jaunes. Je suis entouré de fouets jaunes. j'y retourne, et cette fois, je viens avec vous. Pourquoi tu lui rends pas sa vache, pas? Lui rendre sa vache? Ah, des fois, je me demande si t'es bien mon fils. Tu sais très bien que le juge leur donnera raison. Et c'est bien pour ça que je veux les descendre avant qu'ils ne se pointent. Lucky Luke t'en empêchera. Ce type tire plus vite que son ombre. Sans compter le petit chinois. Il tape aussi vite que son ombre, lui aussi. Monsieur Mou, faut venir, vite! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Yankees attaquent! Ne t'inquiète pas, Joséphine. Ils ne te mangeront pas. Je te ramène à la maison et je jure que plus jamais je ne songerai à te vendre. Non, non! Vous, vous restez là! Allez, allez! Psst, psst. Le miracle! Vous l'avez dit que c'était un voleur! Qu'on le prenne! Je suis pas un voleur! C'est les autres vaches! Elles m'ont suivi! Moi, je voulais seulement récupérer Joséphine! Ab, va chercher une corde! Attends pas! Est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre le juge? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on le juge! Qu'on le pote d'abord! On le jugera ensuite! Oui. Écoute ton papy. Assez finassé. Il y a flagrant délit. Le juge le condamnera forcément. Il pourra alors être pendu, mais dans les règles. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu tiens de ta mère, fils. Elle aussi, elle en avait dans le ciboulot. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Mais pourquoi tout le monde parle si bas? Vous vous êtes donné le mot ou quoi? À tous les coups, il est allé récupérer sa vache. Quand il s'agit de sa vache, Monsieur Meredith est une vraie tête de mule. Marshal, Monsieur Luke, vous lui direz au juge, je voulais seulement les empêcher de manger Joséphine. Ne vous inquiétez pas, Meredith, on vous sortira de là. Vol de bétail, même avec des circonstances atténuantes, t'y couperas pas. Je fixe la caution à 250 000 $. Vous êtes une ignoble crapule, ô très répugnant collègue. Que les choses soient claires, je n'aime ni les Noirs, ni les Jaunes, ni les Lucky Luke. Avant la guerre, nous étions marchands d'esclaves, de père en fils. La victoire du Nord a ruiné le Sud et nous a ruinés. J'ai quitté la Nouvelle-Orléans pour venir ici, où j'ai bâti ce saloon de mes propres mains. Y avait rien. Petit à petit, la ville s'est construite autour. C'est ma ville, vous entendez? Ma ville! Et je ne laisserai jamais un Jaune, un Noir et un Blanc-Bec faire la loi à Lick Gulch. Quick. Pas m'inquiéter. Il en a de bonnes. Que faire, Licky Licky? Le potager de mon intellect est aussi aride que les pentes d'un volcan. Nous avons encore une journée et une nuit, Tchintin. Ne sous-estime pas ta bonne étoile. Je ne parlais pas de celle-là. Dis-moi, gamin, j'ai jamais eu confiance dans la justice du Nord. Je préfère la justice du Sud, plus rapide, si tu vois ce que je veux dire. Non. La lune émerge des monts de l'Est, Licky Licky, et il ne s'est rien passé. Ne tirez pas. Je viens seulement vous prévenir que ce soir, on va tenter de se débarrasser de votre ami. C'est peut-être un piège, Licky Licky. Et non, c'est le papy. Il a plus sa tête, vous savez. Vous semblez être le seul de la famille à l'avoir conservé. De quoi faire un bon feu de choix. Espèce de... Ce que dira l'irascible vieillard pourra être retenu contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Comme me le permet la loi fédérale, je réquisitionne votre humble cellule pour y enfermer le prévenu, coupable de tentative d'incendie sur un bâtiment municipal. Sale je vais te... Et insulte à agent de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Et toc. La clé, shérif. Si j'étais à votre place, je n'y penserais même pas. Vous venez me délivrer? Soyez patient, Monsieur Meredith. Ça ne saurait tarder. Vous n'allez pas enfermer le papy avec le noir? Si. Je fixe la caution à 250 000 $ aux malveillants collègues. J'exige une prison qui n'accepte pas les Noirs. Il va me molester. Frapper les papis débiles, ce n'est pas mon genre. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, frapper les papis débiles, ça n'est pas mon genre. Hein? Papis débiles? J'en prends trois comme pas au petit déjeuner. Allez, viens te battre, allez, espèce de lâche. Tu vas voir si je suis un papy débile. Bien que l'heure soit fort tardive, nous pouvons reprendre la négociation à l'amiable, si vous le désirez. Jamais! Et ne croyez pas une seule seconde que j'en resterai là. Papa! Aïe! Hé! Hé! Il me tape! Aïe! Il vient de me mordre! Nous allons les attaquer par devant pendant que Zach passera par derrière pour délivrer le papy. T'as bien compris ce que tu dois faire? Oui, pas. Ab! Non, j'y vais pas. Tu t'en repentiras. Venez les garçons, allons casser du Lucky Luke. Ouais. Aïe! T'en prendre un papy débile? Tout va bien, monsieur Meredith? J'aurai ta peau! Ça pourrait aller mieux, Marshal. Sale! 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 Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Marshal! Monsieur Luc, il y en a un dans la prison! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Mais quel bourrique! On n'a pas idée d'être aussi bourrique! Dites-lui que c'est une bourrique! De l'eau! Versez-y de l'eau! Je me demandais si j'aurais ma grande scène d'action dans cette histoire. Sortez-nous de là! Le cheval de bas. Il m'a fait venir pour faire le cheval de bas. À toi de jouer, Jolly. Vite, monsieur Luc, les flammes gagnent! Vite, Jolly. C'est dur d'être un héros. Mais c'est pire pour son cheval. Ah! Hé! Et moi? Ne m'oubliez pas! Le papy, il est resté! Ah! Sale! Ah! Juge, c'est une fiefée crapule, on va pouvoir s'entendre. Je déclare la séance ouverte. Affaire Lick contre Meredith. Que le plaignant s'avance. Dans la nuit de jeudi à vendredi, monsieur le juge, nous avons surpris cet individu en flagrant délit de vol... Ça suffit de... Ce garçon ne faisait que reprendre la vache que nous lui avions volée. Mais enfin, papy... Tais-toi! On va rendre sa vache à ce garçon et lui faire nos excuses. Il a risqué sa vie pour me sauver. Oh, excusez-le, il a subi un grand choc et... Non, il a dit la vérité. Toute la vérité. Ouais, c'est vrai. Toi aussi, mon fils. La guerre est finie, pas. Et puis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Et le premier qui dit du mal des Noirs, des Jaunes et des Lucky Luke, il aura affaire à moi. Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir. Dis-moi, mon garçon, ça te dirait de t'installer dans le coin? Il y a de bons pâturages pour Joséphine, tu sais. Une fois de plus, Licky Licky. Licky Licky? Lick Gulch compte aujourd'hui une population de 171 723 âmes, dont une communauté noire de 65 897 et jaune de 53 165 âmes. Tout le monde y vit en paix, sous la houlette bienveillante du maire actuel, Meredith Lick Jr. I'm a bold lonesome cowboy. Première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli. Brave garçon. Sans eux, il ne sortirait jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des Bras Cassés. Il succédera à Castor Harnieux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des Bras Cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les Bras Cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à Poilera, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé Mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à Poilera ne peut-elle pas devenir chef des Bras Cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les Bras Cassés. Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai, Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi! Ça sent l'homme mouillé. Castor Harnieux remercie Petit Saumon Frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon Frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé Mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon Frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon Frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si, je veux rester, Le visage pâle veut une guerre indienne. Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi qu'on les bras cassés, qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton ne vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de Mulot Gourmand, un peu âme-sœur de Grand Ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une beigne. À propos de beigne, goûtez-moi ça. Beignet aux rognons de coyote. Recette de Mulot Gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termites, goûtez, vous verrez, les pattes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais, Castor Harnieux, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leurs bêtises. Sur qui? Écoutez, ici on est protégés, intouchables. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre, t'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crottales farcies? Moi. Mulot Gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui, tant de la danse. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Jolly Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leur preuve, mon fils. n'avez-vous pas de coltes, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand Ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à Petit Saumon Frétillant. Mulot Gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille, on est tous des durs. Hé, Mulot Gourmand, attends-moi! Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé des escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille des Plumets prépare mon cheval. Castor Harnieux le préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses. Mon frère perd son temps. Jamais Mulot Gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Eh bien, voilà qui vient à point, à qui c'est attendre. Oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles! Excellent! Excellent! Bravo! Vous avez une petite pièce, Rhett. C'est un beau début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nous... Nous sommes les Dalton. Eh, moi, je suis Jesse James. Bon, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là! Restez là! Ça devient une habitude. Adieu, les Kélek. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques. Et de la bouse de bison. Si je comprends bien, Luc est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor Harnieux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grand Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de Petit Saumon Frétillant. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit Saumon Frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi! Ouh, mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luke, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours. Tu vas voir ce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luke. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Le frère de mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah si! Mon fils a déshonoré ma fille! Ouais! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Oh! Une seule main nue. Oh! Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. Ah! En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. On peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Oh. Castor Harnieux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non. Castor Harnieux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, raconte tout à la tribu! Finalement, peut-être la Squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Se bouffer le Lucky Luke ou je te descends? Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe! Tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand Ours ne deviendra jamais la femme de Petite Crapule Frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours, elle sera une grande chef. Castor Harnieux regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé deux nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a bold, lonesome cowboy. Derrière cette colline, c'est Inger Gulch, une ville tout ce qu'il y a de plus tranquille. On va s'y reposer et débarrasser Rantanplan de ses puces. Moi, je dirais plutôt que ce sont les puces qu'il faut débarrasser de Rantanplan. Saleté de chauve-souris, ça gratte, ça gratte. Si Grand est réélu, les gens n'auront que des cailloux à manger. Si Custer est élu, il n'y aura même plus de cailloux à manger. Pour une ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, c'est réussi. J'ai jamais rien compris au baseball. Vous auriez une chambre avec un bain chaud? Une chambre? Tu rêves, l'ami. J'ai même plus un seul placard de libre. Le général Custer est à Inger Gulch. Il doit faire un discours. J'ai même loué mon comptoir. Allez, debout, mon gars, pour que je fasse ton lit. Mais vous êtes Lucky Luke, la légende vivante de l'Ouest. Le Lucky Luke, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vous cède ma chambre. J'irai dormir dans la grange. C'est un honneur. La grange me suffira, merci. Lucky Luke, tiens. Général, Lucky Luke est à Inger Gulch. Lucky Luke. Je n'oublie jamais un nom. Où ai-je entendu parler de lui? Bon, ça manque de confort moderne, mais à mon avis, ça vaut mieux que le lit du patron. Moi, je ne me plains pas, cowboy. Ah, ça gratte. De l'autre côté aussi. Allez, viens, Rantanplan. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. D'accord. Je reste là et je garde le cheval. Hein? Oh. Cher ami. Oh. C'est grâce à des hommes tels que Lucky Luke que l'Ouest s'est construit. Et si Custer est élu président, il s'engage solennellement à ce que l'Ouest reste toujours à l'Ouest. Ouais, vive Custer! Vive Custer! Excellent, vous avez été excellent. Lucky Luke est très populaire dans la région. Cette photo nous fera gagner 3 points, au moins. Ah oui, c'est vrai, les puces. Rantanplan, couché. Tout va bien, Général. C'était une fausse alerte. Général? Ils ont l'air de bien s'amuser ici. Non! Pas lui! Pas le chien! Il porte la poisse! C'est rien. Juste une légère commotion. Je le reconnais. C'est mon copain de régiment. Général, reprenez-vous. Vous allez perdre 5 points dans les intentions de vote. Comment un héros tel que vous peut-il avoir peur d'un inoffensif cabot? Custer rêve de ce chien. Toutes les nuits, le même rêve. Il est là. Il regarde Custer. Custer ne peut pas bouger. Et alors les pires calamités s'abattent sur Custer. Ne vous inquiétez pas, Général. On va s'occuper de ce chien. Berthe Kerk. Mais non, il n'y a pas de danger, j'ai simplement une mission à vous confier. Pourquoi veut-il qu'on descende ce clébard? J'ai jamais descendu ce clébard. Est-ce que particulier dans le contrat? Là! Tu as entendu le vétérinaire, Rantanplan. Il ne faut pas lécher cette huile antipuce. Lucky Luke, trop risqué. On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick! Oh. Chouette! Les copains de mon copain. Et les copains de mon copain sont mes copains. Oh. On voulait juste le caresser, hein? C'est plus fort que nous, dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse. Ah, pas vrai, Kirk? Tu l'as dit, Bert. On a déjà fini de jouer à chat? Dommage, j'adore jouer à chat. Avec Custer, les riches vont appauvrir les pauvres. Avec Grant, les pauvres vont enrichir les riches. Ça recommence. Limonade. Custer, président! Custer, président! Custer, président! Père orateur! Alors, général, souvenez-vous, première règle d'un candidat en campagne. Ah oui! Custer offre une tournée générale! Eh bien, patron, vous devriez être content. Les campagnes, ça fait marcher le commerce. Ah, ça, pour inviter à boire, il invite à boire. Mais il ne paye jamais. Tu as mis assez de mort au rat, Bert? De quoi tuer un troupeau de bisons, Kirk? À manger? Le bon miam miam. Bert, Kirk, à ma botte. C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis. Le chien. Où en êtes-vous avec le chien? À l'heure qu'il est, il n'est plus. Parfait. Parfait. Nous allons pouvoir sortir. Serrez les mains. Custer, président. J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez. Custer, président. Custer, président. Custer, président. Custer, président. Custer, président. Il n'y a qu'en période électorale qu'on me serre la main. Président! Custer! Président! Custer! Président! Custer! Président! Custer! Président! Ah! C'est un attentat! À moi! Les flamants roses ont mangé ma pâtée. Flaguez-moi ce chien! Vous allez vous mettre à dos les amis des bêtes. C'est pas prudent en période électorale. Je veux qu'on me débarrasse de ce sale kleps avant son discours de ce soir. Vous entendez? Avant ce soir. Ce chien a le mauvais œil. Mais non, général, c'est une idée. Kenneth, à ma botte. Oh. Vous m'avez demandé, général? Le journal! Avez-vous vu le journal? Vous êtes très bien sur la photo, général. C'est votre meilleur profil. Il s'agit bien de mon profil. Le titre, vous avez lu le titre? Lucky Luke dans notre ville. Et le sous-titre? Le général Custer est venu lui-même accueillir l'homme qui a arrêté les Dalton et Billy the Kid. Custer va faire fusiller ce journaliste. Je vous ai dit 100 fois qu'on ne pouvait pas fusiller les journalistes, général. Pourquoi ce bouseux de Lucky Luke est-il plus populaire que Custer? C'est que lui, il arrête les bandits, général. Très bien, Kenneth. Amenez-moi un bandit que je l'arrête. Et des journalistes, arrangez-vous. Mon vieux Jolly, demain matin à la première heure, on quitte la ville. J'en ai une de l'autre côté. N'oublie pas, cowboy. Et toi, ça te dirait de gagner 1000 $? C'est simple. Je t'aide à t'évader et tu te laisses arrêter et reconduire en prison par le général Custer. Et qu'est-ce que je ferais de 1000 $ si je retourne en prison? Lorsque le général sera élu, tu seras amnistié. Ça te va? T'as intérêt à voter Custer. C'est la première fois que je me sens une âme civique. Baby Bon s'est échappé! Il vous attend, général. Et le chien? Où en est-on avec le chien? Bert et Kirk maîtrisent la situation, général. Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Et si on faisait le chat, ça l'attirerait sûrement. Miaou! 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 Ah, ça, c'est un... dindon. J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Miaou! Miaou! Belle journée, hein, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Miaou? Bibo! Ce bandit va encore tout casser! Ne vous inquiétez pas, les amis! Custer s'en occupe! Custer, vigilant! Custer, vigilant! Custer sait quoi faire pour que les honnêtes Américains vivent en parfaite sécurité! Il enverra tous les bandes, il les outla, les trains de savate de tout poil dans l'Idaho! C'était un idiot qui ne sert à rien. Il bâtira un mur tout autour et les enfermera. Il y mettra les peaux rouges avec... et par-dessus le marché. Ouais, avec Custer, ça ne traînera pas. Custer est un homme de parole. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Y a personne qui vient m'arrêter? On vient. Hein? Lucky Luke! Lucky Luke! Il vient d'arrêter Baby Bo! Il le reconduit en prison! Lucky Luke, c'est un homme de parole et un homme d'acte! Dommage qu'il se présente pas à la présidence! Je voterai pour lui, moi! Moi aussi! C'était une très mauvaise idée, Kenneth! Mais enfin, général, c'est vous qui... Une très mauvaise idée, je vous dis! Public. Où est mon public? Et tu lui as filé une fessée? Ouais. Vous entendez, les gars? Il a filé une fessée à Billy the Kid. Ouais, Billy! Hé, hey, et les Dalton? Raconte comment tu les as capturés. Les Dalton? On va y passer la nuit. Bah, on a tout le temps, n'est-ce pas, les gars? Ouais! Vas-y, Lick, raconte! Ils sont tous au saloon, général. C'est du sabotage! Mais Custer n'est pas du genre à capituler! Puisque c'est comme ça, il va faire son discours pour lui, tout seul! Le chien! Vous lui avez réglé son compte? Non, général, nous l'avons cherché partout. Il doit avoir quitté la ville, sinon nous l'aurions trouvé. Je l'espère pour vous! Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Habitant d'Inger Gulch, fier pionnier... Le ciel a beau se liguer contre Custer, Custer poursuivra son discours. Habitants d'Inger Gulch. Ils sont partis. Il n'a payé aucune des tournées générales. Je ne veux plus entendre parler de ce bled. Je me suis coupé. Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerais qu'il est là. Tout près. Ils me trouveront pas, ils me trouveront pas. Je n'ai pas vu Rantanplan aujourd'hui. Il s'est peut-être noyé. Dans un coin aussi aride, ça lui ressemblerait. Il n'aurait tout de même pas pris le train. Bon débarras. Vite, Jolly, il faut rattraper le train de Custer. Juste après le petit déjeuner, tu es dur avec moi, cowboy. Aïe, yohou! Je me suis brûlé avec ce fichu café. Attendez, général, je vais vous servir. Que se passe-t-il? Un essieu cassé. Le chauffeur dit qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Il est dans le train! Je suis sûr qu'il est dans le train! Fouillez partout! Trouvez-le-moi! Et zigouillez... Hein? Un pont rouge! fait-on, général? Chargez! 100 fois. On lui répétait 100 fois de ne pas courir après les Indiens, mais c'est plus fort que lui. Taillot, taillot! Un bon Indien est un Indien mort. Crotte, je me fais avoir à tous les coups. Il a pas l'air de revenir. Non, pas l'air du tout. Et Pert, il avait raison. On joue plus à cache-cache? Va bien, Rantanplan. On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier. Ça vous dit? Que se passe-t-il ici? Le général a pris un Indien en chasse. Et vous l'avez laissé partir seul? Il n'y a pas de clause concernant les Indiens dans notre contrat de protection. Télégraphiez pour demander du renfort. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as ton télégraphe portable sur toi? Ah, il préfère jouer à chat perché? Custer vous boutera hors des États-Unis. Il vous renverra d'où vous venez, en Inde. Le petit visage pâle est teigneux mais brave. Patromino lui réserve donc le sort des braves. L'épreuve de la flèche. L'épreuve de la flèche? C'est quoi ça? Dès que Patromino aura tiré sa flèche, le petit visage pâle se mettra à courir. Les farouches guerriers ne le poursuivront pour le massacrer que lorsque la flèche aura touché le sol. L'épreuve de la flèche, il y a peut-être un moyen. Custer refuse de courir. Si le petit visage pâle ne court pas, nous lui ferons subir l'épreuve des fourmis rouges. Ah! 5, 4, 3, 2... Ça, c'est ce qu'on appelle un tir de couverture. Nanabozho, le grand lapin, protège le petit visage pâle. Patromino ne veut pas se mettre Nanabozho à dos. On rentre au tipi. Ce n'est pas une bonne journée pour chasser l'homme blanc. Lucky Luke arrive toujours à temps, général. Grâce à qui? Oh, les renforts, enfin! Quand est-il parti? Était-il accompagné? Comment était-il habillé? Savez-vous ce qu'il a mangé hier soir? Le général était habillé comme d'hab... Mais non, Lucky Luke. Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Là, regardez, il ramène Custer. Une déclaration, Lucky Luke? Non. Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Il les renverra d'où ils viennent, en Inde. Copain? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est mon flash qui vient d'exploser! Et puis les chiens! Custer jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards! Ah! L'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimir! Il vient de perdre 30 points dans les sondages. Les chauves-souris, elles sont revenues! Général, général, l'état-major vous propose un commandement. Une bonne guerre contre les Indiens, ça vous fera regagner 30 points, au moins. Le 7e de cavalerie. Où dois-je le retrouver? À Little Big Horn River. Ah, George Armstrong, il semblerait que la chance te sourie à nouveau. De si bons copains, ça se quitte pas. I'm a poor lonesome cowboy. pan. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté. Par huissier. Gigi Misdiel, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. $10 sur Buffalo Bill. Denis. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés, jusqu'au dernier, une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine, spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons, il y a de nouveau les bisons. On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arriverons à l'Arabie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret. Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de l'Aramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, ils se dirigent vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je leur chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Oh, oh, Figaro, 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 Figaro. Monsieur Z, nul, vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà! Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh, vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi. Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines. Ouais. Oh, oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que Napa s'est deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. Wachtatoo ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! Gigi Misdiel va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. T'es pas la tête, cow-boy, mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude! Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça, oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayons des bisons. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin a donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas, tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudents, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luke. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Ben, où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien-chien, le gros chien, couchien le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luke, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luke? Luke? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop, j'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre. et tout entier. Isaiah, les bouchons! Vous leur avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais, je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée! Ouh! C'est papa! J'y suis pour rien! C'est pas moi qui a fait ça! Popo, Azalée! C'est papa! Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude. C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison. Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal léché se dérange. Là, oh, grande carcasse. Oh, oh. Pardon, vous auriez pas une petite place? Aïe, 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 non, aïe, 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 aïe. Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Oh Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Figaro, Figaro, Figaro. Le foxterrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens, on casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons s'abroutent. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdiel. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold, lonesome cowboy.